Salut les sœurettes, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous amène avec nous une journée balade entre mère et fille. Nous avons fait du lèche-vitrine, c'était magnifique, nous avons aimé. J'espère que vous aussi vous allez aimer la vidéo. Nous vous amenons tout au long de notre journée. Pour ceux qui s'arrêtent ici pour la première fois, moi c'est Pascaline, votre sœurette. Je partage ici lifestyle, travail, maman, mère au foyer, mère au travail, je suis maman de 3 filles. Nous nous sommes arrêtés ici pour prendre d'abord le petit déjeuner. On aime bien manger le petit déjeuner à cet endroit. Ils font de très bons sandwichs, c'est Panera Bread. Pour ça aux États-Unis, je ne sais pas si c'est ailleurs, mais aux États-Unis, les gens connaissent beaucoup Panera Bread. Ils font des très bons sandwich, donc nous sommes arrêtés pour manger d'abord. Premier stop. Direction centre commercial. Ici, nous avons fait plusieurs magasins. J'ai amené les enfants dans des magasins de luxe pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. En fait, ce qu'on appelle luxe, vous connaissez tous ces magasins de luxe. Ils sont là dehors. Donc, je les ai amenés par dans ces magasins-là pour voir un peu. Vous allez notre premier stop ici, c'est Macy's. À Macy's, nous avons visité. J'ai aimé ces chaussures. Oh my God, elles sont jolies. Elles sont vraiment festives. Du genre Saint-Sylvestre, on a eu une soirée chic, un genre là. C'est très brillant, c'est très coloré. Et là, elles sont à Macy's. Je me suis dit, peut-être je vais repasser les prendre. On ne sait jamais. Nous sommes sortis, on a dit on n'achète rien. C'est vrai qu'on a acheté, mon mari voulait des chemises. Donc nous sommes partis du côté des hommes à Macy's et on lui a pris quelques chemises. C'est tout ce qu'on a acheté ce jour-là. Le reste, c'est juste du lèche-vitrine. Nous sommes baladés. You're mine for sure.
Deuxième stop, Louis Vuitton, c'est là-bas qu'Abigail m'a tué. Elle a mis tous les parfums, je dis bien tous les parfums de Louis Vuitton sur elle, tous les échantillons qu'on pose là pour humer et tout. Elle les a tous mis sur elle. J'ai aimé les bottines, elles sont originales. J'ai l'impression que les bottines en jean, les chaussures en jean reviennent beaucoup à la mode. J'ai vu les chaussures en jean comme ça, motif jean dans plusieurs magasins. Et j'ai l'impression vraiment que c'est en train de revenir. Donc voilà les parfums qu'Abigail, elle les a tous mis sur elle. Elle n'a même pas, c'est vrai que j'ai pas tout compté, mais elle avait toutes les odeurs sur elle. J'ai mis les bracelets, c'était joli. Et j'ai aimé ce sac. Louis Vuitton, c'est une marque qui ne me dit pas beaucoup. C'est vrai, j'ai un sac Louis Vuitton, mais ça ne m'attire pas trop. Mais j'ai aimé ce sac blanc. J'ai aimé ce sac blanc, là, il était très beau. Le prochain stop, nous sommes arrêtés à Dolce & Gabbana. Je pensais que je filmais, pourtant je ne filmais pas, donc désolé pour ceux qui voulaient voir Dolce et je n'ai pas filmé. Ici alors, Abigail, c'était la totale, elle adore le make-up. Elle adore le make-up, donc elle a fait, il y a des gens qui me disent souvent que, oh, on n'a plus vu Abigail faire le make-up depuis. Elle me supplie d'ouvrir sa propre chaîne YouTube, là où elle fait le make-up. Donc, Sephora pour elle, c'était le bon endroit ce jour. Elle a enjoy, elle a tout essayé. Elle a mis des fonds de teint de toutes les teintes sur son visage. Elle a utilisé les lip gloss de toutes les teintes sur ses lèvres, les fards à paupières, mascara. Elle a tout mis là. Mes filles aiment le make-up. C'est vrai que la deuxième n'est pas très intéressée, mais l'aînée aussi aime beaucoup le make-up. Donc, elle essayait ces choses sur moi. J'ai essayé ce mélange de gloss. Yeah, j'ai pris ceci. J'ai acheté ça. Donc, je disais que j'ai acheté uniquement les chemises, mais j'ai acheté aussi du lip gloss. J'ai acheté les deux, le mélange de ces deux couleurs. J'ai essayé ceci, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça ne me donnait pas un éclat au niveau du visage comme je voulais, mais j'ai pris le mélange des deux autres violets. Dites-moi, est-ce que vous pensez comme moi que celui-ci ne me va vraiment pas? Regardez votre copine là-bas, elle refait le violet que j'ai fait et on matchait dehors. Le prochain stop, c'est Akira. Ça, c'est un magasin qui n'est pas Abigail, au stade. Depuis longtemps, je ne sais pas si c'est grave. Dans d'autres pays. Je vais vous l'écrire là. Akira, comme ça se prononce. Quand vous avez des cérémonies, vous voulez des choses bizarres, des choses qui sont vraiment bizarres, que vous savez que vous allez porter ça, les gens seront surpris que, oh my God, ça sort d'où. Donc, nous nous sommes arrêtés là. On essayait de regarder si on pouvait trouver quelque chose, mais malheureusement, j'ai rien trouvé. J'ai aimé cette combinaison au départ. Heureusement, je l'ai essayé parce que j'ai failli l'acheter simplement. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que ça tirait entre les jambes et je ne pouvais pas voir ce dessin que ça fait là devant. J'aime pas. Donc, j'ai laissé et j'ai essayé cette robe. Oh my God! J'ai mis ma jambe même pas en train de marcher toujours avec ça. Donc, au centre commercial, à ce coin-jeu là pour faire la pause pour les enfants. Donc, obligée de s'arrêter pendant quelques minutes. Elle a pu jouer comme elle pouvait et on a continué. Et commença à se faire tard. Non, il fallait qu'on parte parce que ma fille aînée devait faire le lissage au Brésil. Vous imaginez que pendant tout le temps que je suis partie au Cameroun, elle avait ses cheveux défaits. Elle les a même pas peignés. Elle avait ça en un pompon. C'était là comme ça, dur comme ça. Donc, je pouvais rien faire. J'ai eu le repos à l'aide. On m'a dit, OK, va lui faire du brossage, du lissage brésilien. Ça va réveiller ses cheveux. Donc, Et ça a vraiment réveillé là. Maintenant, c'était facile à coiffer. La dame a vraiment... Elles ont vraiment la technique de faire ce blowout. Elles appellent ça aussi blowout, quoi. En tout cas, ce lissage brésilien. Et c'est pas cher. Je pense j'ai payé 35$. Et ses cheveux sont revenus à la vie. Regardez comment c'est devenu tout souple, tout joli. Et hier, pour coiffer après, j'ai plus eu de problème. C'était bien.
Sur le retour, nous sommes arrêtés dans un magasin mexicain. Il est un peu loin de chez moi, mais il fallait que je m'arrête. J'ai profité en tout cas pour avoir mes arachides. Arachides de frais bien bouillis, là, j'aime bien. Et sucré. C'est ce qui achète du piment, les trucs comme les ignames, le macabo. J'ai pas ça proche de chez moi. Les Mexicains travaillent un peu comme nous, donc ils consomment à peu près les mêmes choses. Donc j'ai pris beaucoup de choses ici. Notre vidéo tire à la fin. Merci d'avoir regardé. Ne manquez pas de liker, de partager. Et merci pour tout le support. Vraiment, je suis revenue. Et la chaîne a recommencé vraiment. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. En général, j'ai pas beaucoup de...